Nous allons réaliser la pâte à choux. Il me faut un quart de litre d'eau, 100 g de beurre coupé en petits morceaux, 'Je mets à chauffer l'eau et je donne ainsi une légère ébullition à l'eau et au beurre. Voilà, le beurre est complètement fondu. Je retire l'eau dès la première ébullition. Puis, je rajoute la farine en un seul coup à l'intérieur. Il est très important que la farine soit préalablement tamisée pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte à choux. Une fois que j'ai incorporé la farine, je reviens sur le feu. En remuant la pâte énergiquement, je vais la dessécher. Mettez votre pâte d'un côté de la ruse, puis découpez-la en petits tas pour évacuer toute l'eau en surplus. Je continue à dessécher la pâte jusqu'à obtenir une boule complètement lisse et homogène.